Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le vendredi 17 avril. En fait, on se retrouve pour une vidéo recette. Donc, pour ce soir, on va faire un poulet au lait de coco. Donc, est-ce qu'on sort tous les ingrédients et après, est-ce qu'on fait ça devant vous? Donc, du coup, alors, ce qu'on vous reprend, en fait, ce qu'on coupe, à Quentin, plutôt, parce que ça, je ne vais pas régler. Coupe C'est où pour toi d'un couteau? les blancs de poulet. Et du coup, alors en fait, ce qui nous manque, quelques ingrédients. En fait, l'oignon et gousse d'ail. Ça Donc, va, j'ai pas oublié de les mettre. Hein. après, c'est pas, hop, parce que c'est pas obligatoire. Hein. Donc, après, c'est pour ajouter du goût, mais nous, en fait, est-ce qu'on n'en a pas? J'ai oublié d'en acheter. Est-ce qu'il va bien en acheter? Donc, du coup, ce qu'on va faire. À 100. Donc là, du coup, hop, on coupe les poulets et après, hop, on prépare ce qu'avec vous, est-ce que la recette. Donc, alors, du coup, je vais vous reprendre. Quand t'as fini de couper les bons poulets, le poulet. Donc, alors, du coup, alors, ce que moi je préparais la sauce, quand t'as préparé la sauce, parce que c'est lui qui va faire la recette normalement, donc est-ce qu'il va vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais le faire. Donc du coup, alors pour la sauce, il y a besoin normalement oignon rouge et 2 gousses d'ail, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour rajouter du goût, mais nous en fait, c'est obligé d'acheter. Donc du coup, voilà. Alors il y a un yaourt. Le yaourt, il est là. Il faut citron vert, mais ce n'est pas obligatoire, parce que nous la dernière fois, on n'avait pas mis. Du curcuma. Cumin et coriandre, il a oublié d'acheter. Le piment, de toute façon, c'est pas obligatoire. Les choses, ce qu'il y a, le coriandre, le cumin, et le piment, et les oignons rouges et le gousse d'ail, c'est pas obligatoire. Ou sinon, ouais, est-ce que vous pouvez mettre autre chose qu'à la place? Du sel. Donc, alors, du coup, ce que là. Hop, parce qu'on va mettre les ingrédients dans le Speedy Chef, parce que nous, en fait, parce qu'on n'a pas Extra Chef, mais après, ce n'est pas obligatoire d'utiliser les produits Tupperware. Vous pouvez utiliser vos produits normal quoi. Donc, du coup, hop, je vais tourner la caméra pour mettre bien. Pour vous montrer. Il y a un contre-jour. Ah, donc. Alors, mettre les blancs de poulet dans les micro-minutes. Déjà, tu peux mettre déjà ce que les blancs de poulet dans les micro-minutes. Ce que micro-minutes, tu peux avoir. Donc là, ça va mettre les blancs de poulet et hop, préparer la sauce. Alors, il faut le blanc de poulet. Salut. Hop, le yaourt. Voilà l'autre. C'est pas pour toi, ma puce, le yaourt. Hein. Yaourt, gousse d'ail, non, du coup, on n'a pas à mettre le curcuma. Et le sel. Pas sel, maman. C'est pas du sel. Pas ça, maman. C'est pour la recette, tu laisses. Regarde. J'ai oublié ton écran. Du coup, ah, ça c'est déjà mis, donc on va mettre ce que yaourt dans le Speedy Chef. Voilà. Du coup, le sel, il faut 5 ml. On va faire Vas-y, avec la cuillère, tu peux voir ce qu'on met. Ah, j'ai des petits purins, ça te fout. Oui, ou C'est une pas bon cuillère pour moi. normale, est-ce qu'on veut prendre une cuillère normale ou une pincée de sel, quoi. Donc. Donc du coup, hop, il va chercher ça, hop, il revient. Petit chat. Donc du coup, hop, on va mettre, hop, 5 ml. Tu vas voir l'autre scène?
Je vais donner le sel. Attention tes doigts, tu fermes les doigts, toi. Après, hop, il faut 15 ml de Sharma. Kenya. Je fais une vidéo. Tu veux pas que je reste avec ta soeur parce que t'en comprends pas le repas? Non, je veux pas. Oui, 5 ml, voilà. Le Kurama. Si on faut 15, au pire, hop, on met un petit. Il faut combien? 15 ml. Ah, plus qu'un maintenant. Je sais. Après, alors, ajouter le bouillon mélangé à maïzena. Est-ce que Léo, est-ce qu'elle va chercher le fouet? Fouet? Oui, le fouet. Pourquoi on fait le fouet? On pourra après pour mélanger là-bas, je prends la cuillère. Tu veux mélanger la viande avec le fouet? Et là, tu mélanges comment toi? Bah, faut que douce ou avec la cuillère, ça va le faire. Non, c'est bon, Léo! Putain, c'est chiant. T'as pas entendu? Voilà, 15 ml. Voilà. Après, hop, on mélange tout ça. Voilà. Quoi? Moi, je te laisse faire. Hein. Faut mettre la poignée avant de vouloir mélanger. Sans la poignée, tu ne mélanges pas. Tu mets ton. Tu mets ton. Non. C'est mélangé. Il faut mettre le blanc de poulet dans le micro-ondes et verser la sauce, mélanger et fermer et laisser mariner environ 10 minutes. Il faut une machine pour gratter. Donc du coup, hop, on va mettre hop 5 ml de sel. Tu veux voir l'autre sel? Je vais donner l'autre sel. Le sel? Attention tes doigts, tu fermes les doigts, toi. Après, hop, il faut 15 ml de Sharma. Une vidéo. Tu veux pas que je reste avec ta soeur parce que t'en comprends pas le repas? Non, je veux pas. Oui, 5 ml, voilà. Papa. Le Kurama. Si on faut 15, au pire, hop, on met un petit. Il faut combien? 15 ml. Ah, plus qu'un maintenant. Je sais. Après, alors, ajouter le bouillon mélangé à la maïzena. Est-ce que Léo, est-ce qu'elle va chercher le fouet? Le fouet? Oui, le fouet. Quoi, on va faire le fouet. On pourra après pour mélanger là-bas, je prends la cuillère. Tu veux mélanger la viande avec le fouet? Et là, tu mélanges comment toi? Bah, faut que douce ou avec la cuillère, ça va le faire. Non, c'est bon, Léo! Putain, c'est chiant. T'as pas entendu. Voilà, 15 ml. Voilà. Après, hop, on mélange tout ça. Voilà. Quoi? Moi, je te laisse faire. Hein. Faut mettre la poignée avant de vouloir mélanger. Sans la poignée, tu mélanges pas. Hein. Tu mets ton. Non. Non. Thank you.
mélanger. Il faut mettre le blanc de poulet dans le micro-ondes. Et verser la sauce, mélanger et fermer et laisser mariner environ 10 minutes. Il me faudrait une machine pour gratter. Donc du coup, hop, on va mettre 5 ml de sel. Tu veux voir l'autre sel? Je vais donner l'autre sel. Attention tes doigts, je vais fermer le doigt. Toi. Après, hop, il faut 15 ml de drama. Kenya. Je fais une vidéo. Tu peux pas jouer avec ta soeur parce que t'en comprends pas le gros pas. Non, je ne veux pas. Oui, 5 ml, voilà. Le curama, il faut 15 ml, hop, on met un petit peu. Il faut combien? 15 ml. Ah, plus qu'un mal dedans. Je sais. Après, alors, ajouter le bouillon mélangé à la maïzena. Est-ce que Léo, est-ce qu'on va chercher le fouet? Fouet? Oui, le fouet. Pour le fouet. Ah, pour après, pour mélanger là-bas, je prends la cuillère. Tu veux mélanger la viande avec le fouet? Et là, tu mélanges comment toi? La fouet douce ou avec la cuillère, ça va le faire. Non, c'est bon Léo! Attends, c'est chiant. T'as pas entendu. Voilà, 15 ml. Voilà. Après, hop, on mélange tout ça. Voilà. Moi, je te laisse faire. Hein. Faut mettre la poignée avant de vouloir mélanger. Sans la poignée, tu mélanges pas. Hein. Mets ton, tu mets ton. Non. C'est mélangé. Il faut mettre le blanc de poulet dans le micro-ondes et verser la sauce, mélanger et fermer et laisser mariner environ 10 minutes. Il me faudrait une machine pour gratter.